parce qu'il est sous pression. Pour liquéfier un gaz, il faut rapprocher les molécules. Et pour ça, on a deux solutions. Ou bien on refroidit, ou bien on augmente la pression. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un gaz est liquéfié, s'il est maintenu sous pression, il reste liquide, quelle que soit la température. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans une bouteille. Le gaz a été liquéfié à basse température et il est maintenu sous pression. Que se passe-t-il maintenant lorsque l'on consomme du gaz? On libère de la place, la pression sur le liquide diminue, donc une partie du liquide se transforme en gaz jusqu'à ce que la pression soit suffisante pour maintenir à nouveau le gaz à l'état liquide.